ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien, qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Hold on. Marcha. Du mercredi 3 août, mon Niger proclamé solennellement son indépendance. Hélas, 50 ans déjà, son peuple conduit farouchement sous dépendance. 50 ans encore, ce pays est mal vu sur l'indice de développement. Ses richesses potentielles regorgent dans son sous-sol s'endormant. Délinquance financière et crime économique, mais n'est-ce pas par nos dirigeants qui pédissent et doivent tout part, qu'est-ce que je vois? Un pourcentage exorbitant de son économie s'envoler dans l'air, à la solde des mercenaires, étrangistes et mondialistes. Au moins tu es crime et déception, subi par ce peuple nigérien avec abomination. Un fils poké enchanté par les autres, mais aujourd'hui est sans évolution. Et puisque Watiko, le coup d'état multiforme, mon peuple pleure tout le temps. Système politique du pays, c'est voix d'un vice dit de la communauté internationale tout le temps. Il faut que ça cesse. Sans nous déguémander notre quotidien tout le temps. Crise alimentaire, faim, pauvreté. Nous sommes transformés en talibés internationaux. La galère menace, la haine et la malgouvernance poussent. Au fur et à mesure, le pays tombe dans la décadence. Imaginez de 1960 à nos jours. Rien ne marche, rien n'a changé, y'a rien à faire. La vie devient de plus en plus chère. Et moi l'artiste, Machiavel, j'ai l'amour de mon pays cher. J'ai la rage contre le fils du prince Gilbert. Une jeunesse délaissée, minimisée, ennemi du Babylone. Babylone. 1960 à nos jours, dis-moi ce qu'a changé. Dis-moi ce qu'a évolué. Mais qu'est-ce que devenu mon pays cher? Et c'est qu'un ténèbre d'indépendance. Les gens s'entretuent à cause du fric, la misère se vit au quotidien, c'est hic-hac. Toujours les mêmes démons qui traînent au pouvoir politique, mes partis politiques qui concourent au pouvoir politique. Même leader politique qui aspire au pouvoir politique. Les peuples souffrent un changement à cause des politiques. Ils s'anarquent et détournent les biens publics et vident les caisses, ils passent qu'à leur poche. Ils encaissent des millions et des millions de salaires qu'ils touchent et empochent. Tandis que les travailleurs laboriers qui accomplissent les lourdes tâches touchent des mètres, c'est la tristesse. Il reste la race de ma génération, jeunesse, sont dans la détresse sans cesse. Et man, y a trop de choses à dire, laisse l'intérêt général et l'unité nationale dont ces gens nous chantent. J'aime qu'ils soient, mais je suis propice à ces histoires qu'ils racontent. Tout le temps dans l'air baratin et discours, ils mentent. Dans l'air propagande électorale, du paradis terrestre qu'ils nous promettent. Une crise politique et économique, conflit ethnique qui se répète. Je ne cite pas cette liste exhaustive, puisque de toute façon l'ethnocentrisme s'est lié et se vit dans les visages de tout un chacun. Le régionalisme, le racisme se manifeste dans les comportements et les esprits. Parfois on s'incite, on s'en te déchire. Mais voir ces mondes qui tombent, je m'inquiète, car j'entends trop le bruit de bombe. De 1960 à nos jours, dis-moi ce qu'a changé. Dis-moi ce qu'a évolué. Mais qu'est-ce que devenu mon pays cher? Et c'est qu'un ténèbre d'indépendance. 10 ans pour un chef d'État nigérien est raisonnable pour construire, même détruire et reconstruire. Au lieu d'en vouloir et s'assoiffer des pouvoirismes pour violer et détruire les textes constitutionnels consensus et respectés par tout le monde. Malheureusement, on se justifie pas de sa forfaiture en dégageant la constitution de tout le monde pour se tailler une autre à sa guise personnelle. Et pour traverser cette barrière, on blasphème le livre saint, le Coran Yanzougamou. Chekra Hamsin Damon Kassamo et Tchenkamo Babu Chigaba Tchenkassama Tassababu Aichi Dalakawana Kuka Teredahana Chukabo Bimuna Kaji Abunda Sunka Gadama Mushanja Hali Jiru Wegunea Kan Irdu Irbon Labo Siga Kwaida Jina Ifo Semi Zamse Jinko Raisite L'école Jedira Siga Te Ilabo Widi Isinda Kulkal Madar Madar Wangazuru Zamba Ilabo Amanawa Ilabi Zay Amanawa Igapinga Meyegaka Irmustagi Adahalabada. Voilà calcul mentalement, 50 ans de républico. Mais ce peuple banalement évolue dans les statigos. Au vu et au su des défaillances babyloniennes, nous peuple nigérien étant aguerri des expériences de leur gouvernorat.
restons à jamais intransigeants et vigilants contre la manie militaria de la remise en cause de notre principe de vie politica. La démocratie gâche tout développement. Nous n'en voulons plus la mauvaise graine. Nous menons la lutte aux côtés des masses populaires. Nous véhiculons ce message à celui qui s'en marvait. Nous combattons de toute notre énergie dans cette classe politique, les zélateurs, les esprits intestinaux et mesquins, les rapaces et sordides qui pitissent, négativistes, égoïstes et fantaisistes qui nous traînent dans la boue. Les sens sont à nos jours, dis-moi c'est qu'à changer, dis-moi c'est qu'à évoluer, mais qu'est-ce que devenu mon pays cher, les cinq quartiers d'indépendance. Les sens sont à nos jours, à nos jours. Dis-moi c'est qu'à changer, c'est qu'à changer. Dis-moi c'est qu'à évoluer, c'est qu'à évoluer. Qu'est-ce que devenir mon pays, mon cher, pays cher. Les cinq quartiers d'indépendance.